Bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur la RTNC et bienvenue à ce journal de 19h. Le gouvernement de la République est déterminé à accélérer la mise en œuvre des projets de développement financés par les partenaires extérieurs. Une cérémonie de signature de contrat des performances avec les coordonnateurs des unités de gestion et de ces projets programmes a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Patrick Ndouangou a signé ce reportage. Redresser la contre-performance dans l'exécution des différents projets de développement financés par l'extérieur, c'est le souci permanent du gouvernement congolais. Accélérer la mise en œuvre efficiente et efficace de tous ces projets en cours d'exécution, c'est le but de la signature du contrat de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de tous ces projets financés par la Banque mondiale, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds international pour le développement agricole. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kieng, qui a présidé cette cérémonie pilotée par le ministère des Finances, ses signatures marquent un pas de plus dans les efforts du gouvernement de réformer les systèmes économiques, surtout en matière de gestion des ressources extérieures. Les principaux engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État devant la nation et à qui j'exprime mes hommages les plus déférents, mettre l'accent sur l'accélération des projets de développement en faveur des populations. Un des défis auxquels nous devons cependant faire face est celui d'améliorer l'état général d'exécution financière et physique des projets, ainsi que des différents programmes du gouvernement. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a souligné la nécessité pour le gouvernement de pallier faible taux d'exécution du projet. Il a en outre préconisé la mise au pied d'un plan d'action pour le renforcement du suivi. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement et les délégués des bailleurs de fonds. L'investiture du nouveau président de l'association socioculturelle Nande au collège Boboto dans la commune de la Gombe était une occasion pour impliquer les autres communautés culturelles du Nord et Sud Kivu pour renforcer entre elles le climat des dialogues et de paix autour d'un même objectif, mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinara Moussachi, reportage. Spectacle du collège Boboto qui a offert le cadre de la rencontre pour la grande messe communautaire pour l'accompagnement et l'appui à apporter au nouveau leadership de l'association socioculturelle Nandé qui a été sanctionné par l'investiture après les élections à travers toutes les représentations disséminées à travers Kinshasa du notable cubain Dian Zenze comme nouveau président de la communauté. Pour marquer cet événement qui les implique et traduit l'appui qu'ils apportent au choix de la base, les députés de l'Est du pays, les membres du gouvernement, dont le ministre de l'Industrie, Julien Palougou-Kaongia, les chefs dans les institutions nationales de la République, dont le rapporteur adjoint de la CENI, Baumawa, ont répondu présents pour dire qu'elles se sentent concernées par la démarche qui a comme motivation la mise en œuvre du programme intercommunautaire qui favorise la paix, le dialogue et la contribution de tous à la prospérité de la RDC telle que prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, avec la bénédiction des pasteurs de l'Église. Par une appropriation et l'implication de tous, par un engagement ferme et la mutualisation de tous, les imaginaires présentés dans ce programme seront une réalité. Dans la province du Haut-Katanga, les travaux de réhabilitation des axes routiers Kasomeno-Pueto vont bientôt démarrer. Le gouverneur de province vient de doter un important lot des engins à la direction provinciale de l'office de route. Pour ce faire, ces engins ont été présentés aux députés élus de ces deux territoires par le gouverneur Kiabula Katwe. Dotation d'un atelier complet à l'office des routes, le gouvernement Kiabula prend une option sérieuse pour la réhabilitation des tronçons Kasomeno-Pueto et Kasomeno-Kasenga. Ces engins, dont trois camions à benne basculante, un camion citerne à eau, une niveleuse, une chargeuse, une pelleteuse et un compacteur, ont été présentés aux élus de Kasenga et Pueto qui y voient un ouf de soulagement pour les populations de ces territoires. Au nom de la population du territoire de Pueto,
Nous ne pouvons que remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il n'a pas attendu Kinshasa, mais il a commencé pour sa province qu'il aime et qu'il chérit tant. Le gouverneur provincial, chapeauté par Kaboula Kato Jacques, à qui vraiment nous rendons nos sincères remerciements. Aussi les remerciements au Premier ministre qui s'est impliqué. Et les derniers remerciements s'adressent sur l'État, qui a bien facilité que les engins puissent descendre sur Kasenga pour pouvoir commencer les travaux de la réfection de la route. Pour le gouverneur Jacques Kaboula Kato, il s'agit de répondre aux cris d'alarme de la population, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction de notre pays. Donc le projet de 145 territoires promis par le chef de l'État, nous en tant qu'exécutif provincial ainsi que législatif provincial, nous sommes mis d'accord pour accompagner le chef de l'État dans ce projet. D'ici à lundi, l'Office des routes sera déployé sous ces deux axes, actuellement en délabrement très avancé, afin de les rendre praticables avant la tombée des prochaines pluies. Dans la province du Bas-Oïli, les travaux de réhabilitation du tronçon routier Bouta-Kéti, long de 125 km dans la ville de Bouta, viennent d'être lancés par le gouverneur de province, Jean-Robert Nzanza Bombiti. Démonstration des forces et des déterminations de Jean-Robert Nzanza Bombiti, gouverneur de la province Tibazuele, les week-ends derniers à Akéti. Chose promise, chose faite. Et il annonce à la population d'Akéti sa détermination de finir avec cet état de précarité de l'axe appelé morgue. Nzanza Bombiti, qui donne le go de ses travaux, procède à la coupure des rubans. Lance officiellement les travaux de réhabilitation du tronçon Bouta-Akéti, long de 125 km sur la route nationale numéro 6. Très satisfait de la démonstration de l'autorité provinciale, les usagers promettent au gouverneur Jean-Robert leur soutien et accompagnement dans ses travaux. Yango Ndoto et Latinzoto, les lots. Ces rêves deviennent une réalité. Nous voyons de nouveau notre gouverneur revenir à nous après quelques jours pour concrétiser sa promesse, qui est nous avons beaucoup souffert. Nous sommes contents de voir les actions de notre gouverneur. Signalons que ces travaux seront exécutés par le gouvernement provincial du Bas-Uele en partenariat avec la société Congo Sunflower. Opération Curage des caniveaux dans la ville de Kinshasa. Elle vient pour répondre aux multiples préoccupations dans certains coins de la capitale en cette période de pluie. L'OVD va poursuivre cette opération sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, vous allez suivre l'opération Curage des caniveaux dans la ville de Kinshasa. Cette opération vient répondre aux multiples préoccupations dans certains coins de la capitale en cette période de pluie. Images et commentaires. La ville de Kinshasa est réputée pour ses tas d'immondices et ses caniveaux couverts de bouteilles en plastique. Un décor aux antipodes Kin Label de l'époque. La population kinoise lance un cri d'alarme à l'Office des voiries et drainages, OVD, de poursuivre ses travaux de curage et la réhabilitation de certaines artères de la ville de Kinshasa. Bientôt c'est la pluie, tous les caniveaux sont pleins, tous les artères sont pleins. Où est-ce qu'on va se retrouver? Si les caniveaux ne sont pas débressaillés avant, ne sont pas nettoyés, curés, comme vous voulez, avant, ça va être catastrophique. Il y a des maisons qui vont partir. Voilà. Voilà un exemple. Un passant qui voulait passer, il va s'écrouler dans les caniveaux. Montrer à l'autorité compétente qu'elle essaie d'intervenir à temps. Il ne faut pas que ça devienne des « Oh, Fachi a tala makamboy ». Non, c'est maintenant qu'il faut régler ça. Fachi ne va pas être partout. Même les caniveaux, Fachi doit être là. Et les services habilités et les gens payés pour ces services, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? À Kinshasa, la saison sèche touche à sa fin et la saison des pluies s'annonce déjà une période très inquiétante pour la population kinoise. Certains soumissionnaires indélicats n'arrivent pas à exécuter complètement les tâches de curage qui leur sont confiées, constat fait par certains habitants. Les rues sont couvertes des immondices et la population est exposée aux différentes maladies, comme le déplore un habitant du quartier Beaumarchais à Kinshasa. Effectivement, nous interpellons le gouvernement central et le gouvernement provincial, surtout l'OVD qui est en train de faire les travaux. Donc on ne doit pas laisser les immondices dans la rue parce que ça réduit la chaussée. Et puis avec la pluie qui va, la saison de pluie qui va commencer, il y aura des inondations, ne sera plus normal, il y aura des embouteillages. Il y a même risque des accidents, il y a risque même que les enfants qui traversent la route puissent se noyer dans les inondations. Donc nous interpellons l'OVD de faire en sorte que non, toutes ces immondices soient évacuées.
La population exige les contrôles des tâches d'assainissement pour une bonne politique environnementale prônée par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Gentiman Ngobila, à travers son concept Kibopeto, qui consiste à revaloriser les déchets d'enfer des engrais. Quel est l'état de lieu de l'électricité en République démocratique du Congo, notamment dans la province du Congo central? Cette question a été abordée au colloque sur le développement du Congo central. Un autre bon moyen de stockage de l'électricité serait l'usage de l'hydrogène. L'essentiel dans ce reportage de nos reporters qui étaient sur place. La RDC, comme la province du Congo central, est en voie de désindustrialisation. Pourtant, il y a une quarantaine d'années, ce beau pays d'Afrique centrale fut la première puissance industrielle en Afrique noire. Argument soutenu par Simon Bosso Kiamputu, président du comité d'organisation du colloque sur le développement du Congo central, précisant qu'on y trouvait des industries de matériaux de construction, des industries alimentaires, des brasseries, des sucrières, des usines textiles. Au Congo central, il a cité la sacherie de Kisantu, l'usine textile de Gidinga, la brasserie à Boma, la sacherie et autres usines dont la plupart sont aux arrêts, ne pouvant pas résister à la concurrence des importations massives. Simon Bosso Kiamputu pointe tout de même le facteur ayant contribué à cette désindustrialisation. Ce qu'on a constaté, c'est la perte de compétitivité de notre industrie. Et cette perte de compétitivité est liée à la fois à la perte de la qualité des produits. Nous avons l'insuffisance et la précarité des infrastructures. Selon lui, la RDC a beaucoup perdu de la situation héritée de la colonisation, d'où cette perte de compétitivité, même dans l'agroforesterie, les usines de transformation des bois et de cacao, pour ne citer que celles-là, sont aussi en disparition. La cimenterie, elle, a pu tenir jusqu'ici. En plus de la Silou et la Sinate, deux autres cimenteries ont vu le jour. Un autre orateur, c'est le professeur Valma Samba, qui a évoqué l'article sur le retour de l'expérience de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des PME à Kinshasa comme au Congo central. Cette étude, selon lui, outre la peur des tracasseries fiscales ou la crainte du poids de la famille élargie de l'entrepreneur, les jeunes entrepreneurs et leurs PME baignent dans une perversité culturelle, ce qui limite leurs avancées vers un certain élan de compétitivité. Voilà, vous venez de suivre le colloque organisé à l'Université Congo. Il a été constaté que la République démocratique du Congo est en voie de désindustrialisation. La province du Congo central n'est pas épargnée. Une préoccupation soulevée par Simon Bosso, PCA de cette université. Quel est l'état de lieu de l'électricité en République démocratique du Congo, notamment au Congo central? Cette question a été élaborée au colloque sur le développement du Congo central. Un autre bon moyen de stockage de l'électricité serait l'usage de l'hydrogène. L'hydrogène vert est un réel levier pour l'émergence de la RDC. Selon le professeur Kasongo Numbi, il n'y a aucun autre pays en Afrique capable de produire de l'hydrogène en grande quantité comme en RDC, précisément au Congo central. Tenez, en Pioca par exemple, l'on peut obtenir 15 à 30 000 MW, 44 000 MW à Inga et 15 000 MW de l'hydrogène peuvent être produits à Matadi. Il a par la même occasion insisté sur comment rendre navigable beaucoup de cours d'eau du Congo central partant de Pioca à Kinshasa ou au port de Matadi. Il a aussi donné des possibilités de remonter l'eau en noyant les caillasses à tous les niveaux de ces rivières. Autre à prendre la parole, c'est le chargé de mission du chef de l'État, Bruno Kapanji-Kalala Kabwa, qui présentait la problématique de l'électrification au Congo central. Praticien du secteur, Bruno Kapanji-Kalala a saisi cette opportunité pour bien éclairer l'assistance sur la réforme initiée par lui ayant libéralisé ce secteur de l'électricité. Ce programme aborde tous les secteurs, tous les secteurs de l'énergie électrique. Il faut qu'il utilise la classe des énergies renouvelables, qu'il utilise la loi, qu'il utilise la communication
pour sélectionner le projet dans les temps et dans l'espace, faire étudier ce projet, le budgétiser, exécuter ce projet en physique et en termes financiers. Dans les programmes d'action du gouverneur Guy Bandou, il existe une politique de l'énergie électrique pour la province qui est la deuxième province la mieux électrifiée du pays selon les statistiques. Pour Bruno Kapanji, le développement ne peut se faire sans une planification, un programme structuré avec des projets bancables. Selon lui, il faudrait aussi électrifier les milieux ruraux autant qu'on électrifie les milieux urbains. Voilà, et à Kalemie de la province du Tanganyika, la communauté Chibungé a organisé une cérémonie d'accueil pour l'une de leurs élevées au rang de gouverneur de province, Julie Ngungwa. Les détails avec Mathias Makolevera. Lorsque le gouverneur Julie Ngungwa Mayuma arrive à la salle de banquet étoile du Tanganyika dans la ville de Kalemie, où elle est accueillie traditionnellement par le groupe folklorique Kitebwe et les responsables de Tubungé, association socioculturelle de Bahemba du territoire de Kongolo et de Nyunzu à laquelle elle appartient. Visiblement dans la salle, toutes les mutualités de la province sont représentées, invitées pour la cérémonie de l'accueil officiel de l'une des filles de la mutualité Tuibungé, élevée au rang des gouverneurs de la province du Tanganyika après l'élection du 6 mai 2022 à la personne de Julie Ngungwa Mayuma. D'entrée de jeu, Julie Ngungwa Mayuma, qu'accompagnait son époux Louis Kouloshimba, a reçu de main du président intérimaire de Tuibungé Tanganyika une corde symbolisant la vache lui offerte par sa mutualité, signe d'un accueil fraternel. Prenant parole pour la circonstance, Julie Ngungwa Mayuma a remercié ses frères et sœurs pour cet acte d'affection avant de les appeler à accompagner l'action de son gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le désenclavement de tous les territoires à travers le PDL 145 territoires. Et pour sceller les liens de fraternité entre les communautés du Tanganyika, les représentants de toutes les mutualités conviées à la cérémonie ont accompagné Madame le gouverneur par une danse traditionnelle. Reprendre l'année scolaire après avoir raté les épreuves de l'examen d'État n'est pas une chose facile. Dans la province du Nord Kivu, la fondation José Mafuala a procédé à la remise des enveloppes pour soutenir les élèves qui n'ont pas réussi à l'examen d'État. Cédric Enina. La suite du Premier ministre lors de sa dernière visite dans le Nord Kivu, précisément à Goma, pour l'évaluation de l'état des sièges, l'honorable député national élu de cette ville, José Mafuala, s'est mis à l'écoute des candidats finalistes malheureux aux dernières épreuves de l'examen d'État, qui s'interrogent évidemment sur leur avenir. Comment reprendre l'année sans appui financier et sans motivation scientifique ? La réponse ne s'est pas fait attendre. Une exhortation à se remettre au travail, doublée des enveloppes, ont été remis à ces candidats à l'exéta, qui, avec leurs tuteurs, ont eu le mot juste pour remercier les bienfaiteurs. Nous sommes très contentes de ces gestes posés à notre endroit. C'était des histoires qu'on entendait, mais aujourd'hui, nous en avons la preuve. En dehors de ces finalistes malheureux, prises en charge par la Fondation José Mafuala, la formation de jeunes désœuvrés à l'Institut National des préparations professionnelles se poursuit et va se clôturer d'ici peu et sera sanctionné par la remise des brevets aux récipiendaires. Joël Mukombamata est le nouveau directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle au Haut-Katanga. La cérémonie de remise reprise entre le directeur sortant Jean-Marie Mouloumé et le directeur entrant Joël Mukomba a eu lieu en présence des directeurs de la direction générale et les agents réunis pour la circonstance. Les détails dans ce reportage. Préparation professionnelle du Haut-Katanga à un nouveau directeur provincial. Il s'agit de Joël Mukombamata en remplacement de Jean-Marie Mouloumé pour raison de retraite. C'est devant la délégation de la direction générale que la cérémonie de remise est reprise entre le directeur provincial entrant et sortant a vécu. Devant les agents et cadres, le directeur Jean-Marie Mouloumé saluera la franche collaboration qui a régné pendant son règne. Je suis fier. Vous m'avez accompagné jusqu'au dernier. Je
vous porterez toujours à cœur. Tout en remerciant le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe Soumpi, pour le choix porté sur sa personne, le nouveau directeur provincial, Joël Mukomba, appelle les agents à plus d'ardeur au travail. Et la cohésion, que nous puissions travailler en harmonie, dans l'unité, dans la transparence, dans la sincérité. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mukomba, sera présenté au gouverneur de province Jacques Kiaboulakatué par la délégation de la direction générale. Il fait appel aux entreprises à collaborer avec l'INPP pour la formation de leur personnel en vue d'un rendement plus meilleur. Lancement ce lundi 26 septembre 2022 du séminaire à l'attention des agents et cadres de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, par le DG Ezekiel Bidoya, une activité qui intervient après la mutation de l'OPEC à l'ANADEC afin de s'approprier des nouvelles attributions élargies à l'ANADEC. Mireille Ndeke, reportage. De l'OPEC à l'ANADEC, une sensibilisation sur les missions élargies à cet organe séculier du ministère de l'Entrepreneuriat s'avère indispensable. Après plusieurs formations de renforcement de capacités en l'intention de tous les acteurs dans la promotion de PME, l'heure est aux agents et cadres de l'ANADEC qui vient de bénéficier de ce séminaire lancé par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, avec la participation des directions provinciales en mode visioconférence pour des échanges devant permettre aux participants à s'approprier les attributions de différentes structures, à avoir une même compréhension et de dégager les passerelles de collaboration entre les entités nationales et provinciales. Le gouvernement de la République a transformé l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat pour le mettre en phase avec la vision du président de la République, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national. Et donc à la suite de cette transformation en interne, il y a une nouvelle organisation qui a été mise en place. Et donc ce séminaire a pour but de pouvoir permettre aux responsables de s'imprégner de cette nouvelle organisation, de ces nouvelles structures ainsi que job description, pour que l'homme ANADEC puisse également changer et se mettre en relation directe avec cette nouvelle organisation. Dans la même optique, le directeur des ressources humaines à l'ANADEC a interpellé le cadre et agent à l'amour du travail, socle de toute réussite. Après avoir rompu avec le passé sombre de l'OPEC, l'arrivée de l'ANADEC est un moment d'espoir et d'expérience pour un avenir radieux, a martelé le DG Ezekiel Bidoya, qui a également remercié en premier le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Morandi, pour avoir conduit ce processus jusqu'à son aboutissement. Et à quelques jours du lancement officiel de l'environnement des électeurs, l'ASBEL Mafikiri sensibilise ses membres à se faire enrôler en vue des échéances électorales à venir. Voilà, quelques jours du lancement officiel de l'enrôlement des électeurs, l'ASBEL Mafikiri sensibilise ses membres à se faire enrôler en vue des échéances électorales à venir. Mel Mafikiri, en français, réflexion de Cynthia Ntumba, continue à enregistrer de nouveaux membres à Kolwezi. Ce dimanche 25 septembre, la présidente nationale des sept structures se fait accompagner de son comité pour la prise de contact avec de nouveaux adhérents du quartier latin. Après avoir expliqué clairement les objectifs poursuivis par cette structure dans la société, Cynthia Ntumba les a aussi sensibilisés sur la période d'enrôlement qui pointe à l'horizon. Mungu, ala nusaidi ya nupati ya président Moya. Éco-démocrate. Ça veut dire que Félix-Antoine Tshisekedi s'organise et se bat de sa manière pour qu'il y ait bel et bien élection en 2023. Dans cette salle remplie des hommes et de femmes, Cynthia Ntumba ne s'est pas amené mes bréduits. Toutes les femmes présentes ont reçu chacune une pièce d'épagne d'une très bonne qualité et les hommes des polos, ce qui justifie cette joie. «
Jeunes sobres, un projet pour transformer les jeunes communément appelés Kuluna en personnes utiles à la société, projet mis en œuvre par la Fédération mondiale contre la drogue. En séjour à Kinshasa, la secrétaire générale de cette organisation internationale a effectué des descentes sur les sites où sont implantés le projet dans la capitale. Du coordonnateur pour la République démocratique du Congo ainsi que du représentant pays, la secrétaire générale de la Fédération mondiale contre la drogue en séjour à Kinshasa a démarré sa tournée dans les sites de Lingwala où deux centres d'encadrement forment plus d'une centaine de filles jadis délinquantes respectivement en coupe-couture et à la pâtisserie. La délégation a poursuivi sa visite à Barumbu où ces jeunes gens également recrutés parmi les Kuluna entendés hors la loi et transformés grâce à un suivi psychothérapeutique. Aujourd'hui, ils sont utiles pour des travaux d'assainissement. À Makala, comme à Selembao, la délégation a rencontré les attachés aux stations de traitement et de distribution d'eau. Leur vie de violence semble lointaine. Point de chute de la tournée, la ferme de Kimwensa où s'exécutent des travaux d'agriculture avec un autre groupe de bénéficiaires du projet. En deux ans d'exécution, l'état de mise en œuvre du projet Jeunesse Sobre laisse de bonnes impressions. Today, the last time we saw the borehole development since we were here 2 years ago has been very great. La première des choses, c'est que nous étions ici il y a deux ans. Deux ans après, revenir et voir ce qui se passe, en tout cas le développement qu'il y a, c'est extraordinaire. De la délinquance à la vie saine, c'est possible, comme l'attestent les résultats de ces projets financés par la coopération suédoise à travers l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo. Grâce KMB, martyr de la campagne électorale de l'UDPS en 2018, sa mort a été commémorée par les jeunes de l'UDPS le 20 septembre dernier en Mbujimayi, lieu où ce dernier a été abattu par balle à bout portant, nous dit Béatrice Chaco. Honorer sa mémoire qu'une messe a été organisée en la paroisse Saint-Jean. Nous sommes dans la commune de Dibinji, en Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Gracia Kayembe, combattant de l'UDPS, a marqué de son vivant, dans le parti cher à Étienne Tshisekedi, sa disponibilité à servir et encadrer les militants au sein de sa formation politique. Vaillant combattant, au même titre que plusieurs cadres et militants de l'UDPS qui sont tombés armés à la main, Gracia Kayembe continue à inspirer bon nombre de ses semblables. Juste après la messe, l'assistance en tête, le président de la Ligue des jeunes, Junior Yalombe, a pris la direction du cimetière pour une fois de plus s'incliner devant la tombe de l'illustre disparu. Une médaille des héros a été déposée afin de reconnaître les loyaux services que le regretté Gracia Kayembe a rendu à son cher parti, l'UDPS. Tu as gagné ces combats entre la lumière et l'obscurité, car la lumière a fini par triompher. Tu nous as aidés pendant la campagne de notre très cher Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018. Tu as livré ton sang. Le sacrifice efficace pour l'accession de Fatih Beton à la magistrature suprême. Je t'élève parmi nos héros. Tu es un héros de la Ligue des jeunes, Fédération des Mbujimayi. Avant de prendre congé de l'illustre disparu, plusieurs combattants ont vanté ses mérites. Une façon de perpétuer sa mémoire. Revenons à Kinshasa, une nouvelle radio a été lancée aujourd'hui. Il s'agit de la radio Koseka de l'agence de communication 360, une radio thématique consacrée à l'humour et à la musique. Edith Chala. L'humour et le rire qui l'engraissent sont aussi thérapeutiques. Avoir une radio y dédiée est une idée qui sustente les publics. 360 Communication l'a matérialisé ce lundi avec la radio Koseka. Un mélange des musiques nationales et internationales et l'humour à longueur des journées. Une bonne humeur communiquée aux fins d'une écoute détendue. Le directeur général de la station de radio Koseka, Jafar Moulassa, est un homme heureux. Déjà congolais et promouvoir l'humour de ce pays. On sait que depuis plus de 40 ans, nous avons commencé
nous avons suivi déjà à l'époque le groupe Salongo et toute cette grande panoplie de ces grands et illustres musiciens, plutôt comédiens. Mais il y a quand même depuis un moment aussi une nouvelle frange naissante de ces comédiens qui arrivent. Mais il n'y a aucun soubassement réel qui les aide à se promouvoir, à être plus connus qu'au-delà des frontières du Congo. Même pour ceux de Kinshasa, combien sont connus à le niveau de Lubumbashi et vice-versa. Donc voilà pourquoi cette radio est créée, pour détecter des talents, les promouvoir et enfin donner encore un plus à la comédie, à l'humour congolais. L'environnement médiatique congolais s'enrichit de ce nouveau média thématique dans l'espoir d'apporter un plus dans ces milieux où il y a manque criant d'originalité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à l'ensemble de l'équipe en régie et réalisation. Un journal dédié aux habitants de Bounagana, à Rutshuru. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Bulaboaki. D'ici la bonne suite de programme sur l'RTNC.